contre une équipe de la Tunisie, club africain. Le parcours. C'est le nom de la toute nouvelle émission initiée par l'AJSM, Association des journalistes sportifs du Mali. L'objectif de cette idée est de rendre hommage, mais surtout rassembler les acteurs. Nous fêtons aujourd'hui cette fête avec honneur et une très grande fierté, pour la simple raison que le Mali fait partie de 100. Le Mali a un représentant, il s'agit de M. Yacouba Tangara, qui fait partie des 100 meilleurs jeunes influents du journalisme sportif. Pour l'occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique, Abdoul Karim Fomba, a salué cette initiative et a appelé les journalistes à multiplier de telles initiatives afin de porter haut les flambeaux du Mali. J'ai besoin de l'avis de chacun pour pouvoir tamiser et me faire une balance par rapport à la situation. Donc vraiment, j'ai besoin de l'apport de tous les anciens qui sont ici pour nous aider dans ce processus-là, que ce soit dans cette discipline et même dans toutes les autres disciplines. Comment améliorer aujourd'hui le sort de nos joueurs, de nos athlètes, pour que tous les athlètes, tous les joueurs dans différentes disciplines puissent vivre aujourd'hui de leur discipline. Ça aujourd'hui, c'est une mission qu'on devrait chacun se donner. Et vraiment, l'effort de chacun ici m'aiderait beaucoup dans ce sens-là. Pour ce premier numéro, c'est l'arbitre international malien, Coman Koulibaly, qui a été invité. C'était l'occasion pour lui de s'entretenir avec l'assistance sur sa riche et passionnante carrière. Et l'occasion aussi me permet de saluer toute la présence ici. Vous savez que la Coman, c'est un travail collégial. Aujourd'hui, peut-être, si j'aurai l'occasion, je peux dire. Mais c'est l'entente et le travail collégial, tous ceux qui sont là, sans exception aucune, ont contribué. Les collègues arbitres ont contribué d'une manière ou d'une autre à ma contribution. De grandes figures du football malien étaient présentes à cette cérémonie. On peut citer Amadou Diakité, ancien président de la FEMAFOOT, Sidi Bekay Magassa, Souleymane Marasouba et bien d'autres.